Bismillah alaykoum. Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille, tranquille. Donc je voulais partager avec vous ce smoothie qui est une belle couleur rose bonbon comme ça. J'ai trouvé une très belle association de fruits qui se marient très bien. Franchement, on a tout, mais alors on a tout dans cette recette-là. Donc et en plus sans sucre ajouté, donc voilà. Donc il est composé de deux pamplemousses, trois kakis et une grenadine. L'autre, elle ne compte pas, elle est juste là pour décorer. Voilà, donc on va tout passer au presse-agrumes. Petite astuce pour la grenadine. Surprise, j'ai essayé aussi, ça marche aussi pour la grenadine. Je l'ai aussi pressé dans le presse-agrumes, donc voilà, surprise. Donc si vous voulez maintenant faire du jus de grenadine, vous pouvez utiliser ça, c'est tip-top, voilà. Donc bien sûr pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Merci de me soutenir. Donc bien sûr, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker et de partager. C'est gratos et ça ne coûte rien du tout. Donc voilà, c'est que du bonheur pour vous. Un smoothie, franchement, on peut même transformer en glace ou en sorbet. Franchement, le goût, quand vous l'aurez goûté, vous saurez de quoi je parle. Donc voilà. Est-ce que je vous ai parlé des bananes? Je crois que je les ai oubliées. Ouais, les bananes. Bah, oui, parce que je les avais coupées quand je discutais avec vous, donc j'ai oublié quoi. Donc il y a quatre bananes. Si on veut qu'ils soient encore plus épais, on va rajouter, pouvoir rajouter encore deux bananes. Vous voyez, vraiment être encore plus consistant et le goût restera vraiment le même. Donc voilà. J'épluche les kakis et que je rajoute après à la suite. Donc voilà. C'est un nouveau robot que j'ai acheté d'occasion en Allemagne. Je suis tombé sur un magasin par hasard là, et c'est prof Cook ou un truc comme ça, prof Cook, je sais pas comment il s'appelle, c'est une marque allemande je crois. Il m'a l'air très correct. Bon, attendons de voir parce que c'est un truc d'occasion, donc on verra. Donc là, je mixe bien, ça se mixe bien. C'est vraiment mousseux, c'est lisse, c'est épais, c'est onctueux, comment dire, c'est vraiment, on a tous les goûts, on a le sucré, on a la fraîcheur, cette petite acidité, on a le sucré, on a tout, en fait, on a tout dans cette recette-là. Et j'espère bien que vous allez l'adopter. En plus, sans sucre ajouté, comme je vous ai dit, j'ai rien ajouté du tout, à part le jus des pamplemousses. Je veux dire, le jus de pamplemousse et le jus de grenadine, c'est le seul avec lequel, je veux dire, j'ai mixé le tout et ça a donné un résultat comme ça, une belle couleur rose pâle, comme ça, franchement. Et le goût, vous allez voir, vous serez surpris. Je suis surpris. Que personne n'ait trouvé cette recette, je l'ai trouvée par hasard. Donc, voilà, c'est en mixant certains fruits que je voulais pas laisser traîner sur la table, et puis ça m'a donné une texture vraiment magnifique. Donc, voilà, ça c'est le résultat de ma recette smoothie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetel Ltd. Partagez, likez.